Dégagez! Oh! Vous descendez du véhicule là! Descends, descends! Descends du véhicule! Ok, ok! Ok, calmez-vous, calmez-vous! On sort, on sort! Yo les amis, on se retrouve une nouvelle vidéo sur Garry's Mod en mode Dark RP. Aujourd'hui, nous allons faire Convoyeur de fond. Effectivement, un codeur nous a fait cet add-on spécialement pour le serveur. Et je me suis dit, eh bien écoutez, on va le tester directement. C'est possible qu'il y ait quelques bugs. On va voir comment ça se passe en tout cas. Si vous kiffez la vidéo, n'hésitez pas à bombarder les likes, à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche, c'est super important. Et puis moi, je vous dis, bonne vidéo! Donc, messieurs, je vais vous expliquer comment ça va se dérouler parce que du coup, bon, on vient d'arriver en ville. Pour faire notre job. On a le camion blindé du coup à l'arrière. Tout ce qu'on va faire c'est nous passer par l'arrière pour pas déranger les clients à l'entrée de la banque. Et on mettra tout ça dans le coffre. Voilà. Mmh. Donc il y aura pas de soucis, tout sera ok. Bah ok monsieur, y a pas de soucis, d'accord. Et il faut faire super attention parce que on risque de se faire braquer. Enfin voilà, vous connaissez, il y a plein de trucs. Bon, on va faire mieux. C'est vrai que oui, c'est en ville. Mais bon, ça devrait bien se passer. Allez, c'est parti. Ouais, merci. Merci. Ouais, radio, tu m'entends? Ah ouais, je t'entends. Ok, nickel. Bon bah, c'est parti, hein. Première journée. Putain, ça va faire bizarre. Ah, je vais juste acheter un paquet de clopes, j'arrive. Ouais, vas-y, vas-y. Je monte dans le camion directement. Putain, y'a un con qui s'est garé derrière nous, c'est pas possible, ça. Ouais, bah tu lui bourres sa caisse, hein. On a de quoi faire. Hein. Faudrait pas que ça déclenche l'alarme et que les flics, ils se ramènent. Ah, par contre, ouais, je vais prendre le gilet pare-balles à l'arrière parce que sinon, on est dans la merde. Ok. Ah ouais, non, mais ils sont vraiment garés comme des culs aujourd'hui, quoi. Ils peuvent pas se garer ailleurs. Ouais, non, non, oh là là, c'est fou, ça. Du coup, alors là, sur le GPS, on aurait un point de récupération sur 200 mètres. Ouais, mon premier jour après l'école, après la formation. Et toi, ça fait longtemps que t'es dans le métier ou... Ouais, pareil, je viens de sortir de l'école. Ah, ok, bon, bah écoute. C'est marrant parce qu'ils mettent deux débutants ensemble. Ils ont pas peur, les mecs, hein. Ok. Ouais, on va toujours garder l'arme en main quand même. Parfait. Alors. Hop. Parfait. Bon les amis, par contre, l'addon est en développement, donc s'il y a des petites erreurs et tout, ça peut arriver. Ne nous en veuillez pas pour le moment, on est en train de le tester tout simplement. Bonjour messieurs les agents. Et hop, on va mettre ça là. C'est quoi ça? C'est... Allez, c'est parti. C'est les nouveaux de camion pompier. Camion de pompier, non mais... Ils vont être en désincendie. Oula. C'est fou ça. Là du coup ah ouais, ça nous indique déjà la banque. Alors le boss, moi, il m'a dit qu'on devait récupérer minimum, enfin on pouvait récupérer maximum 6 sacs avant d'être d'être plein. Ouais, bon, on prend le maximum et puis on rentre après. Ouais ouais, comme ça au moins on se fait le max d'argent possible, hein, parce que bon, y aller à chaque fois, ouais, ça serait la sécurité, mais on est dans une petite ville, tu sais, je pense pas que il puisse y avoir quelque chose. Tu sais, ils nous auraient envoyé à Chicago ou à Los Angeles, j'aurais compris, mais là, Pine City... Pareil, là-bas, pas grand-chose, il doit y avoir des flics tout. Quart de rue. Ouais, ouais, bah ouais, c'est clair. Bah là, ça va, les flics, ils ont l'air assez présents dans cette petite ville même. Hein. Allez, hop, c'est parti. Je suis juste là pour ta sécurité. Ouais, bah sécurise. Deuxième sac. Eh, 521$ dans celui-là, putain, nice. Eh, le dépanneur, 500$ hein, quand même, hein, dedans. Eh, il gagne plus que la supérette. Ouais, bah ça doit être les poulets qui savent pas conduire. C'est ça. On a juste ici le casino. Ah, vous vous arrêtez ici? D'accord. Bonjour, shérif. Ok, parfait. Bonjour, messieurs, dames. Putain, casino, il est en faillite, hein, 359$. On est un qui a eu touché le jackpot il y a pas longtemps, ça. Ouais, je pense que ça doit arriver pas mal. Ouais. Bon, tant mieux pour lui, hein. Ouais, bah les primes, regarde où elles sont à l'arrière, on les trimballe. Ouais, putain, t'imagines, on repartirait avec tout le cash qu'il y a. Ah oh là là. Ah bah tiens, la mairie, allez. Bon, aujourd'hui, on ferait pas grand chose vu le peu de cas gagné. Ouais, ouais, non, c'est sûr, mais bon. Bon, ça va, pour l'instant, ça se passe bien. On fait nos petits sacs. En fait, en gros, le but de la donne, c'est vraiment de récupérer des sacs. En fait, c'est un métier quand même assez passif où on récupère des sacs et tout ça. On va voir combien on peut se faire en allant à la banque par la suite. C'est pas gros dur ou quoi? Bonjour. Ouais, monsieur, s'il vous... Monsieur, s'il vous plaît. Oui, je peux vous aider? Maxime, vous pouvez me faire un périmètre s'il vous plaît? Non, on va juste rentrer à l'état aux élixins. On a des personnes qui font des imprimantes et qui sont armées. Je vais juste vous demander de... Ah, bonjour,
Ouais, bah écoutez, moi je suis au boulot, monsieur. Hein, je dois récupérer les sacs d'argent, du coup. Je peux vous parler. Vous feriez mieux de sécuriser les concitoyens plutôt que de nous dire blablabla. Blablabla. Putain, c'est fou ça. Quoi, même pas. Non, mais. Il nous dit dégager et tout. C'est fou. Putain, on a même dû attacher le treuil. On a même dû attacher le treuil, ça remonte pas. Bon, on le saura pour les prochaines fois au moins. On le saura pour les prochaines fois. Allez! Allez! C'est bon! On y est! Ouais, ok, ouais, on aurait pas le treuil, ça serait l'enfer quoi. Ouais. Par contre, c'est vrai que leur banque elle est pas pratique pour y aller. Ouais, non, la banque ici elle est vraiment pas pratique. De toute façon, ils nous l'avaient dit hein, pendant la formation que la banque ici c'était de la merde. Hein. Tu crois qu'on a moyen de reculer sur le trottoir? Ouais, ils nous avaient dit, ouais, vous reculez sur le trottoir comme ça. En fait, le camion prend un peu la taille de la ruelle, donc à protéger c'est un peu plus pratique. Je vais sortir par ta porte, moi. Voilà, donc faut juste que toi bah, tu. Je suis monté derrière de toute façon. Ah, t'es derrière, ok. Oula, c'est. Oh putain, un bordel. Bonjour! C'est bon, on a tout ce qu'il faut. Hein. Allez, bonjour. Ouais, on a tous les sacs. Hein. Ok, bah, venez. Ouais, bon, vous les amène un par un. Ça va, ça n'a pas été trop dur la route, messieurs? Ça va, bon, non, ça va. Ouais, vous avez pas eu de problème. Oui, ouais, excusez-moi, du coup, on a mis les sacs scellés. Vu qu'il n'y a que vous qui avez le code, il faudra les ranger dans les casiers, d'accord? Comme ça, vous faites le rangement des billets et tout ça, et puis nous, on vous ramène la deuxième tournée, là. D'accord, je vais m'occuper de ça, monsieur. Ok, merci. Allez, à tout à l'heure. Bonjour. Non, merci, monsieur. Écoutez, on va vous demander de quitter la zone, s'il vous plaît, messieurs. Vous savez déjà, on est déjà... Voilà, oui, vous inquiétez pas, monsieur. On est déjà en accord, donc on va éviter de faire des accords avec d'autres personnes, s'il vous plaît. Merci. Vous allez faire vos magouilles ailleurs, s'il vous plaît, monsieur. Quittez le quartier, s'il vous plaît, ou on appelle la police. Quelle magouille, monsieur, je suis un homme d'affaires, moi. Oui, bah vous quittez le quartier, s'il vous plaît, ou j'appelle la police, de suite. Je suis minable, donc bon. Oui, mais je vais quitter le quartier, okay, monsieur, mais je le quitte que si je le veux, d'accord. Vous allez baisser le temps avec nous. On va se calmer un peu. Oula. Oh, putain. Mais putain. Ouais, fais gaffe. Ouais, en plus, ouais, fais super gaffe, parce que je pense que si on se prend un choc trop gros, tu sais, ça peut alerter les flics ou quoi. D'ailleurs, oh putain, putain, mais merde. Oh bordel, communique accident. Il y a un putain de, y a un putain de stop là. Non mais sérieusement. Putain. Ça va, le camion a rien. Oh la cheville, merde, con. Vous voulez qu'on appelle une ambulance? Ça va, boy, on entraîne pas. Ouais, on peut pas traîner. Oh la vache, non, je vais juste reprendre mon souffle, attendez. Oh, ok, on fait un signalement quand même. Écartez-vous de la route, s'il vous plaît, messieurs dames. Écartez-vous de la route, s'il vous plaît, convoi exceptionnel. Ah, c'est bon, j'ai appelé les flics, ils vont venir vers vous. Qu'est-ce qu'ils foutent? C'est eux, là, dans le rétro, là? Qu'est-ce qu'ils veulent? Ah ouais, c'est encore eux. Ouais, vas-y, passe par l'autoroute. Prochain point, ça doit être, bah, d'ailleurs, la supérette. Ah, ils nous suivent, les mecs, hein. On fait un signalement ou pas du tout? Bah, j'ai déjà signalé au flic qui nous était rentré dedans. Il a le côté tout défoncé, le mec. Oh putain! Oh putain! Mais... Ah putain! Wow! Hey! Putain! Dégagez! Oh! Descendez du véhicule là! Descends! Descends du véhicule! Ok, ok! Ok, calmez-vous! On sort! Face au véhicule! Calmez-vous! Tu ranges ton pompe! Calmez-vous, d'accord, je le range. Je le range. Allez, face au véhicule. Du calme. Range-le. Allez, vite, tournez-vous. Messieurs, vous faites une grave erreur. Vous faites une grave erreur. Ferme-la. On prend le camion. Vite. Allez. Ne prenez pas le. Putain. Vas-y. Ne prenez pas le camion, vous faites une grave erreur là. Vas-y, prends-le. Vas-y. Il est. Reprends la Dodge, on bouge. Il y a un GPS sur ce putain de camion. Allez au point de rendez-vous, les gars. Fais-les grimper dans le véhicule. Non, trop risqué, on les prend pas avec nous. Allez, on bouge. Je suis en train de spammer ma souris. Bah, moi j'ai arrêté, c'est trop long, tu vois. Putain, mais merde! La première journée, putain! Chier. C'est pas vrai, putain! Fais chier, il est où le camion maintenant?
Oui, alors ? Oui, police, urgence, urgence maximale. On est les convoyeurs de fond. On s'est fait braquer. On est à la sortie de l'autoroute, quartier résidentiel. Venez nous chercher d'urgence. Chrysler 300C noir. Ça va aller, messieurs, ça va aller. Ça va aller, je vais perdre mon job. Non, ça va pas aller, là, je vous jure, ça va pas aller. 39 pour l'unit, j'ai les deux convoyeurs avec moi, permis. Putain, ils sont allés où ces enculés ? Oui, oui, oui ! Putain de merde ! Vous restez à l'arrière, derrière le périmètre de sécurité. Restez à l'arrière. On est habilité. Ils sont dedans. On est habilité, sergent, on est habilité. Ils nous ont attachés, ils nous ont baïonnés. Heureusement, on a réussi à se détacher, bordel. Et ils sont tellement cons qu'ils ont mis le camion à côté des sacs. Ils ont pas compris que les putains de sacs ne s'ouvraient pas à côté du camion. Ils sont cons. C'est des amateurs. Shérif, je peux vous dire que ce sont des amateurs. Ce sont pas des gens spécialisés dans le convoi parce que ils ont amené le convoi. Les sacs ne s'ouvrent pas près du convoi. Donc là, en fait, ils se sont piégés eux-mêmes. Le camion est géolocalisé. Je comprends pas. Ok, tu me ressors radio. Ouais, je t'écoute. Ouais. Je sais même pas si les flics vont s'en sortir, putain. Moi, je vais rentrer, toi. Ça va être... Non, fais pas ça, putain, mais t'es con ou quoi? Mais on n'est pas dans un film, là. Oh, tu vas rentrer, tu vas te faire dézinguer, t'es con. Attends, même les flics qui arrivent pas. Putain de merde. Quelle journée de merde. Putain, quelle journée de merde. Eh, n'y va pas, qu'est-ce que tu fous? Non mais t'es terroriste. T'es malade. Risque rien, tiens. Je fais le tour, voir s'il n'y a pas d'autre porte. Fais attention à toi. Bah déjà, il n'y a pas de porte derrière. Putain. Le camion. On peut pas intervenir. Il est rentré, ton compte arrête. Mais non, c'est pas vrai. T'es rentré? Bah s'il veut mourir, qu'il mourir. Contact, t'as droit à couvert. Mais qu'est-ce que tu fais? Alors que sort le camion. Il sort le camion, c'est mon collègue. C'est mon collègue. Non, je balance du feu. Il va tous nous faire tuer. Qu'est-ce qu'il fout? Mais qu'est-ce t'as branlé, Hoff? On appuie, je smoke. Putain, y'a plus les sacs, quoi. C'est bon, on a l'objectif, on va en retraite, c'est bon. Y'a pas les sacs, monsieur l'agent, y'a pas les sacs. Putain. À droite, au pied de l'escalier. Ok, flashbang. Ok, monsieur. Flash de Dieu. Lancez de lacrymogène. Putain, mais c'est des terroristes. Le camion, il part. Attention, faites attention. On appuie derrière moi. Bordel. On est là, monsieur l'agent, on est là. C'est les convoyeurs. On est là. Code 4. Bordel. Bon, enfin bon. Bah écoutez, merci messieurs, en tout cas. Vous avez fait votre maximum. J'espère que ça va aller pour vos collègues. Et puis voilà quoi, à très vite. N'oubliez pas le rapport, hein, s'il vous plaît, à amener à la banque. Si vous retrouvez pas les sacs. Bon. Ouais, bien. Merci, c'est gentil. Allez, bonne journée. S'il y a le boss qui vient, vous lui dites tout simplement que bah, on a perdu 3 sacs, on s'est fait braquer. Putain de merde, ma première journée, je me fais braquer, quoi. Casse les couilles. Donc, du coup, en fait, c'est pas grave. Si, il y a quelques milliers de dollars dedans, donc si, je suis dans la merde. Là, je vais devoir remplir un formulaire. Et puis, bah, voilà, je suis dans la merde. C'est votre collègue, Wachi. Mon collègue, bah, il est avec le boss et je pense qu'on va se faire virer, voilà. Premier jour, déjà viré, 6 mois de formation. Merde. Pour rien. Oh, ravi d'avoir travaillé avec vous, hein. Et puis bah, si on se revoit pas, vous saurez que j'ai été viré. Pas de quoi. Les amis, j'espère que vous aurez kiffé cette scène de convoyeurs de fond. Donc là, on a fait les convoyeurs, mais la prochaine fois, pourquoi on ne ferait pas... Bah tout simplement ceux qui braquent le camion, je pense que ça pourrait être cool. Si vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez pas à bombarder les likes. N'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous avez kiffé ce nouvel add-on qui a été fait pour nos serveurs. Et puis nous, je vous dis à ciao pour une nouvelle vidéo. Salut !